No, avec H à la fin. Ah, Axel, deux L. Ah bien. Super. Bon, retenu. Bon, hein. Ce soir, il y a un sentiment, je dirais, de sérénité et d'une atmosphère magnifique avec beaucoup de sensibilité, de poésie à l'image de cette ville qui est illuminée. Une atmosphère aussi chaleureuse où tout le monde s'est rencontré de toute la Suisse autour finalement de cette présidence de Didier Burkhalter et avec beaucoup de, je dirais, de considération les uns pour les autres. Et moi, j'en ressors qu'une grande fierté d'être habitant de ce pays et de pouvoir tous ensemble aller de l'avant et d'essayer d'amener quelque chose de positif en 2014. Les connaître. L'événement de M. Burkhalter en tant que président, c'est un événement pour Neuchâtel. Hein. Je suis étonnée par l'ampleur de la manifestation. Mais voilà, j'espère que les gens répondront. Je trouve ça super sympa d'avoir organisé ça, c'est vrai. C'est un jour de fête à Neuchâtel. Monsieur Didier Burkhalter, président élu de la Confédération, y est reçu par les autorités cantonales et communales. En leur nom, nous vous adressons, mesdames, messieurs, chers invités, cher public, une très cordiale bienvenue et vous remercions de votre présence. En ce jour si particulier, c'est un honneur de vous transmettre les chaleureuses salutations des autorités et des habitants de la ville de Neuchâtel. Entre le lac et le massif du Jura, face aux Alpes, Neuchâtel est une ville millénaire qui connaît un destin européen depuis le XIIIe siècle. C'est une cité à taille humaine, accueillante et ouverte sur le monde. Neuchâtel, art de vivre et innovation. Vous y êtes bienvenus. Et votre accession à la présidence de la Confédération représente à nos yeux aujourd'hui le couronnement momentané de ce lien très fort. Couronnement momentané parce qu'il ne dure qu'une année. Et cela encore est une vertu très suisse. Nous ne sommes pas faits pour nous établir, pour cesser d'avancer, pour cesser de chercher,
pour cesser de créer. À vous, à votre épouse, je souhaite la meilleure des années de présidence, tout en rappelant malgré tout ce mot d'un autre président, français celui-là, être président, ça n'a qu'un défaut, on n'a plus beaucoup d'espoir d'avancement. Merci de votre attention. Mon cher Didier, j'espère que tu feras preuve de la ténacité nécessaire et que tu oseras même aussi te montrer un peu insistant s'il le faut. En effet, on attribue la citation suivante à Charles-Maurice de Taillard, le légendaire diplomate et homme d'État français. La politique étrangère, c'est l'art de marcher sur les pieds de son interlocuteur jusqu'à ce qu'il s'excuse. Merci pour votre invitation. Mesdames et messieurs, Monsieur Didier Bourcalter, président élu de la Confédération. Mesdames et messieurs, chers amis et chères jeunesses, j'aimerais vous dire merci et j'aimerais aussi vous parler de l'avenir. D'abord, merci et merci au pluriel. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents, d'être là ensemble, tout simplement. Et j'aimerais dire un merci tout spécial à ceux qui sont encore dehors, qui sont au froid, même s'ils ont du vin chaud, parce qu'on ne pouvait pas tous être ici dans cette salle. Nous allons vous rejoindre bientôt et nous irons tous ensemble après, à la place des Halles. À vous tous, dehors et dedans, merci de célébrer la Suisse, notre pays. Merci de célébrer ses institutions, notre démocratie. Merci d'être venu montrer votre attachement au pays. Un président, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais c'est quelqu'un qui peut aussi choisir. Alors j'ai choisi. J'ai choisi que cette fête devait être celle aussi de la jeunesse. Et j'aimerais vraiment vous dire merci à vous, la jeunesse. Merci beaucoup. Vous êtes absolument fantastiques et j'aimerais que vous les applaudissiez. Merci beaucoup. Voilà.
Moi, je crois que c'est fondamental de pouvoir avoir le contact avec la population. C'est aussi un peu le miracle suisse que la population et les autorités soient relativement proches, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. On a une culture de proximité. Et puis, il y a aussi tout cet aspect de conscience que la jeunesse, c'est notre avenir et qu'on doit prendre des décisions politiques en fonction de ces générations futures. Attention ! Vas-y, charge ! Bon, là, on est le CPLN, donc qui est mandaté pour venir aider, pour servir l'arrivée de M. Burkhalter, la bienvenue pour M. Burkhalter. C'était un jour d'école, hein, normalement. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils étaient en activité normalement à l'école professionnelle. Et puis, ils trouvent aussi sympa de pouvoir être là, de partager avec la population. On a quand même une certaine fierté à avoir parce que c'est quand même le président de la Confédération, donc c'est quelque chose de bien. Puis après, voilà, on essaie de faire le plus possible pour que ce soit une bonne journée pour tout le monde. Très sympa. Ça fait plaisir, il y a plein de monde et puis on attend encore quelques amis pour voir l'apéro, donc c'est sympa. Je pense que pour Didier, ça c'est aussi une bonne chance pour sa politique, pour lui-même. Et pour une fois, le chef de département des affaires étrangères, c'est important. Comme président aussi, c'est une bonne combinaison. Didier Burkhalter est quelqu'un qui porte les valeurs neuchâteloises. Hein. C'est un homme qui est très attentif au sens des institutions, qui sert les institutions plutôt que servir son propre parcours. C'est quelqu'un qui est travailleur, discret, attentif à l'autre, ouvert à l'autre et à la différence. Et je crois que c'est autant de valeurs neuchâteloises aussi qui seront de cette manière véhiculées dans le reste de la Suisse, à travers le monde, puisque le président voyage, le ministre des Affaires extérieures encore plus. Et donc je crois que c'est un bel ambassadeur du canton de Neuchâtel aussi, dont on va pouvoir profiter pendant une année, et je m'en réjouis. Je suis très content de cette ville qui vit, on la sent ici comme ça. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés ces derniers mois pour essayer de redynamiser ce centre-ville. Ben, on voit ici les efforts de lumière qu'on a au centre-ville, à la collégiale, le marché de Noël, les animations qui sont prévues, qui sont organisées. Et puis on voit que les gens apprécient et puis ça contribue aussi à faire vivre cette ville.